Salut à tous, c'est Vandal et on se retrouve pour un nouvel épisode de Silent Hill 3, le cinquième si je ne me trompe pas, et également premier épisode de cette nouvelle année 2017. Donc je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va apparaître sur ma chaîne, mais en tout cas je voulais vous souhaiter une bonne année, hein, une bonne année 2017, hein, que tous vos projets soient réalisés, et surtout qu'elle soit riche en tout ce que vous voulez. Concernant la santé également, c'est important. Et puis voilà, donc je tourne ça directement après, on va dire, le réveillon du nouvel an. Donc je suis un poil fatigué, mais j'avais envie de filmer. Puis voilà, je pense que j'irai soit mieux au fur et à mesure de la vidéo, ou soit je vais m'endormir, je ne sais pas encore. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette année 2017 sera mieux que l'année précédente, donc 2016. Oui, cette année 2017, hein, que je me trompe pas, ce serait c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà. Ouais, j'espère qu'elle sera mieux que l'année précédente. Sur ce, on se remet sur ça en til et voilà. On peut sortir du centre commercial là. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look. I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster. What the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. T'as raison, c'était Sange, je trouve. Comme si Ever avait un truc qui la rendait vraiment spéciale, comme c'est un objet Douglas. Oui, c'est bien Douglas. Est-ce qu'on peut on peut retourner le voir? Apparemment, non. Je n'ai plus rien à faire ici, je préfère rentrer à toute vitesse. Nous sommes dans une nouvelle zone qui s'apparente à un métro. Qui, une fois encore, n'a pas l'air très accueillant. Hein, mais bon, de toute façon, à partir du moment où on se sent dans un Silent Hill, vous pensez vraiment que les lieux sont accueillants, je ne crois pas. Alors qu'est-ce qu'on a ici dans cette grande pièce? Il y a un plan de métro ici, mais je connais le chemin même sans consulter le plan. Il suffit de prendre le train pour Bergen Street, qui est numéro 3. D'accord. Mais sauf que...
Moi, je sais pas comment qu'on y va. Hein. Le train pour Bergen Street, quai numéro 3. Vraiment, Bergen Street, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Un journal a été écrit sur la billetterie. Accident mortel sur Hazel Street. Ça commence bien. À 23 h environ, le 4, un homme qui attendait son train sur le quai de la gare de Hazel Street est tombé sur les rails. Il a été décapité par le train du collège de Saint-Renata. La victime est morte sur le coup. Accident ou suicide? La police enquête. Des témoins ont affirmé que la victime était sobre et qu'elle avait fait sembl... et qu'elle a... et qu'elle avait semblé sauter volontairement sur les rails. La thèse du suicide est privilégiée. On ignore toujours l'identité de la victime. Il avait une quarantaine d'années, mesure 1 m 80 et portait une veste noire. Ce journal date d'il y a 4 mois. Qu'est-ce qu'il fait là, ici, aujourd'hui? Bah, peut-être que la station de métro est abandonnée depuis 4 mois, qui sait? Alors. Alors du coup, on doit se rendre à Bergen Street via le quai numéro 3. Si, plateforme 2. D'accord, donc plateforme 3, donc ça veut dire le quai numéro 3, je suppose. To North End to Powell Garden. Quand tu vois les plans du métro, ça a d'être comment dire? Ah, c'est un truc par contre qui est assez dommage. J'ai rien dit en fait. J'ai une touche qui permet entre guillemets de bien recalibrer la caméra, ce qui est pas mal. Donc on a dit Bergen Street en quai 3. Donc c'est par là. Donc ce serait ici. On va voir ce qui nous attend. Ah, donc ça on connaît. Quelqu'un avant de descendre, on va voir si c'est juste un étage entre guillemets juste un étage normal ou si on peut récupérer des choses. Donc là au milieu je crois on a un couloir. Un petit symbole de sauvegarde, je pense qu'on va pas s'en priver. Hop là. Est-ce qu'il y a du métro? Enfin, une sorte de tour pour rien. Ouh, non, ça va, ça va. Je pense que ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a, vous? Qu'avons-nous là? Les chaînes qui bloquent les portes sont calées par un boulon et un écrou. L'écrou est trop serré pour être desserré à la main. D'accord. Et je pense que la suite de nos aventures doit être derrière cette porte. Donc, va falloir qu'on trouve un petit truc pour déverrouiller tout ça, je pense. Bah, descendons. Ouais, je vois que chier. Moi je ne les vois pas, mais il me voit très très bien.
Et donc là, ça va être là. Ah non, je peux marcher. Saloperie. Parce qu'ils font mal en plus, ces connards là. Oui, il faudrait que j'apprenne ça de ce beef jerky. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Casse-noisette. On va voir ce que c'est. Rouillé et impossible à tourner, sert à casser des noix. Et je pense que ça devrait nous être utile pour ouvrir comment le d'accord je pense que ça pourrait nous être utile pour ouvrir la porte. Et bon, en tout cas un métro comme ça, je sais pas pour vous, mais moi ça me donne pas vraiment envie de l'emprunter. Je sais pas, ça ne m'inspire pas vraiment confiance. Alors. Utilise le casse-noisette. C'était l'instant MacGyver. Avant de continuer, il y a des trucs que je n'ai pas visités. J'espère ne pas être passé à côté d'objets. Par exemple, peut-être comme on dit, des objets de soins. Ça pourrait être sympa de pas les avoir oubliés. Du coup, voyons voir ce qu'on a par là. Moi, j'aime rentrer dans les piliers. C'est ma grande passion. Par contre, ouais, c'est dommage qu'elle lise pas tous les panneaux, parce qu'il y a des panneaux qui attirent l'œil un peu quand même. On est bien sur le bon quai de Bergen Street. Apparemment, on ne peut pas passer par là. Je pense qu'on peut. À mon avis, on peut faire un petit tour, hein, ça. Bah voilà. J'ai cherché comment le faire. Ah bah j'ai trouvé. En tout cas, c'est. Beaucoup d'objets de soins. Et cela m'ennuie un petit peu. Bon. Je pense que c'est pour perdre des munitions et des objets de soins. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas traîner là. Et bah du coup, continuer.
D'ailleurs, ça me pensait, nous allons recharger. Je vais plutôt y aller au tube en acier. Pour moi, j'ai l'impression que le flingue, bon, il est bien, mais niveau dégâts, c'est pas ça en fait. Ok. Façon, on va pouvoir passer par là. Bonsoir. Moi, ça va bien. Tout est bien. Bon, on va dire partons par là. Hein. C'est la même chose que le verrou soit cassé en fait. j'ai l'impression qu'il y a une rame de métro qui ne bouge pas. Autant y aller. Tiens, voilà. Alors, reprends tout souffle, ma petite. Prendre, j'arrive pas à récupérer les. Peut-être que je ne peux pas. Ah, ça vient aussi, ça, mais je peux vous les récupérer quand même. Un paquet cadeau. Est-ce un cadeau d'anniversaire? Non, je ne crois pas. Aucune de mes connaissances ne m'offrirait quelque chose d'aussi dégoûtant. Mais je vais le garder, ça peut servir comme les monstres. Comme par hasard, comment dire, à peine j'ai récupéré ma nouvelle arme, ça a l'air de s'activer et ça vient de là. Je ne veux même pas le savoir. Mais à mon avis, ces balourds doivent avoir quand même une sacrée réserve de vie. Donc je pense pas que je vais comment dire, m'embêter. À lui tirer dessus. Descendre un peu plus bas. Blablabla. C'est juste une issue de secours, elle mène nulle part. Comment elle sait?
Je suis un peu perdu. Mais bon, on nous a dit plateforme 3, donc. Enfin, plateforme 3. Ça va être le quai numéro 3. Bergen Street, c'est par là. J'ai quand même bien envie de sauvegarder, parce que un plan comme ça, ce qui m'obligerait à descendre sur les rails pour voir ce qui se passe, ça ne me plaît pas du tout. Et j'ai pas vraiment envie de recommencer super loin, donc je sauvegarde. Nous verrons bien ce qui se passe. J'aurais dit en fait j'aurais dit des fantômes ou comme les espèces de fantômes de Silent Hill 1 si on y joue en comment en anglais si je me souviens bien ou c'est des enfants zombies je sais plus du tout mais bon. Je suis le décès, non? Ah non. Et c'est comme la cinématique du début. C'est comme si le métro m'attendait en fait. C'est... Mais c'est quoi, je peux monter dedans? J'ai changé d'endroit, je... Je suis un peu... Je ne sais pas. Ah bah en fait, ouais, fallait que je fasse vraiment tout le tour. C'est au revoir, Heather. On voyage. Symbole dessiné par terre. J'espère que le fait de marcher dessus ne va pas me maudire. Bah, j'espère pas. Et en tout cas, on va arrêter la vidéo pour maintenant. Je pense qu'on a fini le métro. Je ne sais pas où ce métro va nous amener. Bah, vous le saurez au prochain épisode. En tout cas, je me répète, bah, portez-vous bien. J'espère que vous passerez une très bonne année 2017. Et puis voilà. Allez, à la prochaine pour le
le sixième épisode de 123, je crois. Oui, ça doit être ça. Ouais. Salut!